Salut à tous et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour vous faire vivre cette première journée de l'Euro 2020, un championnat d'Europe un peu spécial, vous le savez, il se déroulera aux quatre coins du continent. C'est bien sûr pour fêter l'anniversaire de cette compétition, c'est 60 ans que l'UEFA a décidé de voir les choses en grand, en très grand même, avec ce format inédit. Certaines choses changent, d'autres non. Ce devrait être une grande compétition. Et pour espérer aller le plus loin possible, il faut réussir son entrée. Souhaitons-nous donc un excellent début de tournoi. Amsterdam est une ville qui vibre, où il se passe toujours quelque chose. Et cette Johan Cruyff Arena en est le reflet parfait. Et on écoute l'hymne national de la Suède. Terminé, nous y sommes enfin. Le coup d'envoi de ce premier match va être donné. Oui, Grégoire, on a hâte que ça débute forcément. C'est le plus grand tournoi de l'été. On espère que toutes les grandes nations seront à la hauteur. C'est d'autant plus important que cette fois, il n'y a pas de pays hôte unique. Donc on peut dire que toutes les équipes démarrent vraiment ce tournoi sur un pied d'égalité. Et comme vous dites, le meilleur gagne. Et on rentre dans le vif du sujet. Sébastien Larsson. Quelle occasion, attention! L'arrêt splendide! Ah, ça c'est magnifique, chapeau! Joue derrière lui. Frappe ! Traoré, Adama Traoré à droite. Saoul ! Oh, c'est ce qu'il fallait faire, dommage ! Bonne technique, ça manquait juste un peu de précision. Surtout pas au contact. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il est servi. Il peut s'en... Et cette tête ! Elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas. Oh, il va s'en vouloir, c'était une grosse occasion. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. Qu'a-t-on appris dans cette première période? On voit de bonnes séquences avec des joueurs qui sont disponibles, qui participent activement à la construction. Le jeu de passe est intéressant, même s'ils n'ont pas encore trouvé la fin. Pas de but, 0-0, tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. C'est dégagé. Avec... Il tire! Et le cadre se dérobe largement. C'était une frappe... Rodri... Avec Adama Traoré, c'est bien fait. Frappe ! Un but maintenant et la victoire leur tendrait les bras. Sébastien Larsson. Et l'arbitre siffle la fin du match. Des supporters déçus, c'est logique. Les joueurs aussi, tout le monde espérait une victoire pour démarrer cette compétition sur des bonnes bases. Eh bien, ce sera un match nul. Voilà Darren, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt, salut. Grégoire, c'est moi qui vous remercie.